Welcome la famille, c'est la frappe style du 35. J'espère que vous allez bien. On continue l'aventure avec votre petit protégé, Maël Ethan, la future star, futur prodige du Stade Rennais Football Club. Et on va continuer la saison. On était le 14 juin, on se rapproche. 14 juillet, pardon. On se rapproche tranquillement mais sûrement du coup d'envoi de la nouvelle saison de Ligue 1 avec un déplacement à l'OGC Nice. Ça avance, la simulation elle avance. On va aller peut-être se faire un petit entraînement. Juste histoire de quand même faire les choses bien. Frappe de loin. Allez hop. Parcours de dribble, on va essayer de chercher le moyen. Tac la défense, les tacles. On n'a pas fait les tirs. Est-ce qu'on pourra avoir les tirs? Les tirs, les tirs, les tirs. Ok, les passes alors. Les passes, on va aller chercher. Passe précise, tranquillement. Et on va aller chercher les coups de pied arrêtés. Petit pénalty, ce serait pas mal. Voilà, pénalty, tranquille. Allez, on lance, on simule tout. Alors, B, B, D, F et A. Ok, ça me va. Allez, on continue. Tranquillement mais sûrement. Est-ce qu'on va être retenu pour cette première journée de championnat? C'est toute la question, les mecs, c'est toute la question. Ils vont sûrement nous demander d'être prêtés. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est prêté? Est-ce qu'on n'est pas prêté? Enfin voilà, j'espère que tout va pour vous. Sinon, installez-vous bien correctement. Moi, je me bois un petit café. Hop, on attend cette première journée impatiemment qui sera la semaine prochaine là dans le jeu. Hop, on passe le samedi 6 août. Jeudi 11 là-bas. Vendredi 12. Alors c'est quand? 14. Ok, on joue le dimanche. Le dimanche. Match décalé, on va aller voir ça de suite. Match décalé, alors. Pedro Mendes, c'était 5 jours tout à l'heure, ok. Match décalé. Oh, rencontre FC Nantes, SCRFC. Date précédente, le 23 octobre. Nouvelle date, le 20 octobre. Ok, on joue le match le vendredi, certainement. Pas de problème, pas de problème. J'espère qu'on pourra jouer ce match. Allez, on continue. Ah, on va aller voir là, les objectifs. Notre moyenne 6, je veux que tu marques un but. Maintenir un ratio de 10% et moins une passe décisive lors des 4 premières journées, des 4 premiers matchs là. Là, ce qu'il demande pour les prochaines rencontres. Ok. Est-ce qu'il nous a retenu au moins? Je t'ai retenu dans l'effectif. Oh mon Dieu. Punaise, on joue cette première journée de championnat, les mecs. On joue cette première journée de championnat à l'extérieur à Nice. Les débuts de Maël Ethan en Ligue 1, c'est tout de suite. Mais juste avant, on va aller voir un petit truc qui m'intriguait. Il parlait du Stade Rennais tout à l'heure. On va aller directement sur info du club. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais aller voir. Tac. Il y a moyen de le voir un peu plus. Non, il n'y a pas moyen de voir ça un peu plus grand. Pas de problème, pas de problème. Oula, attends. Stade Rennais a signé Andreas Cornelius. C'est quoi ça? C'est un attaquant? Ouais, ce joueur, un attaquant de 23 ans, rejoint ses nouveaux coéquipiers. Précédé d'une excellente réputation qui fait de lui un joueur capable d'apporter quelque chose partout où il passe. Ah. Donc on va être face à face avec ce joueur-là. Des surprises dans son chapeau. On va lire ça. Ça drainait les surprises dans son des surprises dans son chapeau. Objectif en championnat, 9e. Bon, René Ruelo, on te connaît. Joueur clé Ludovic Ball. Ça drainait l'attaquant Firmin Ndombé. Moubele pense que la régularité sera la clé de son équipe si elle veut finir la saison au milieu de tableau. S'adressant à la presse avant le début du championnat, il a précisé: nous devons être réguliers et éviter les erreurs bêtes qui peuvent coûter cher à ce niveau. C'est seulement à partir de ce moment-là que nous pourrons envisager la suite. Envisager la suite. Ces erreurs pourraient surtout s'avérer handicapantes à l'arrière car elles entraînent souvent des buts. Et le défenseur Ludovic Ball est peut-être celui qui devra se montrer le plus régulier. Au milieu, en revanche, Johan Gourcuff peut s'avérer très utile devant comme derrière tout au long de la saison. Aldo Kalulu semble promis à un bel avenir. Il pourra bientôt se révéler. Oui, ok. Faut pas oublier qu'il y a aussi
Bah, il est un, les mecs. La composition possible. La composition possible. Vous voyez ce que je vois, les mecs? Costil, Danze, Mendes, Mecher, Bal, André, Fernandez, Amalfitano, Saïd, Ethan. Maël Ethan, c'est nous. Essio. Ça, c'est la composition possible. C'est parti. Premier pas en Ligue 1. Allez. J'ai vu que vous préfériez. Donc, on va jouer en blanc. Bien évidemment. J'ai vu que vous préfériez dans les commentaires qu'on joue avec la caméra par défaut. On contrôle Ethan par contre. Et c'est parti. Premier pas en Ligue 1. Des frissons les potes. Ça, l'espèce de taureau. Hop, allez, Ethan. Pas le temps, on n'a pas le temps. Allez, on appuie et on laisse la cinématique se faire tranquillement. Ah, sûrement parler, ils Bonjour vont à vous, sûrement bonjour parler de Pierre, bienvenue pour Maëlle. cette rencontre. Bonjour Hervé, c'est un plaisir d'être à tes côtés. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le GC Nice face au Stade Rennais. Un petit mot Donc sur on est à les Nice deux pour cette équipes première sur le journée. papier, c'est très équilibré. Oui, on peut en effet s'attendre à un match très équilibré. L'équipe qui marquera le premier aura probablement fait le plus dur. Allez, on va voir Maël. Allez, allez. Le club qui est tout heureux d'enregistrer l'arrivée du Brésilien Dante. S'il confirme son potentiel, les dirigeants n'ont qu'à se féliciter de ce recrutement. L'info du jour, c'est l'apparition au milieu de terrain d'un nouveau joueur dès le départ. Il est arrivé lors du dernier Les mecs, si vous parlez pas de Maël Ethan, on va couper nous, hein. Eh oh. Le GC Nice. Ok, la composition. Alors, Malo Balotelli sur Mario Balotelli sur le banc de touche. Ça folle quand même. Ça, on prend, ça nous arrange. Bon, on est où nous? On est là, pas avec le numéro 35. Le short, on le voit. Ah, il a une bonne tronche, notre joueur, j'aime bien. Allez, ça y est, les mecs, on y est. Schéma classique pour ce numéro 35, Maël Ethan. Et donc, on sera quoi, nous? Ailier gauche, attaquant gauche. Ok, Saïd pour nous suppléer. Allez, on est parti. On lance ce match, première journée de championnat. C'est parti, les potes. Allez, on va essayer de faire bonne impression. Et marquer les esprits d'entrée. Malfitano, la remise directe, c'est bien vu. Est-ce ce ballon qui traîne? C'est propre ça. Proche de la zone de vérité. C'était vicieux. Oh. Allez Wesley, faut y aller dessus là. Faut faire le pressing, on fait le pressing. Oh les mecs, on récupère le ballon rapidement. Voilà, ça c'est bien, c'est propre. Un ballon perdu. On a des ambitions nous, allez. Allez, on voit le ballon, on voit le ballon, on est bouillant. Allez, allez, super. Allez, Ethan. Première frappe en Ligue 1. Oula, c'est peu. C'est pas assez fort. C'est pas assez fort, Ethan. De toute façon, le pied gauche, il a travaillé. Hein. Allez. C'est énorme de jouer les premiers, ses premiers pas en Ligue 1, les mecs. Avec le joueur que vous avez créé. On va essayer de représenter un bloc le Stade Rennais. Les couleurs de notre région. Allez, hors jeu. On fait le pressing, on est bien. Allez. J'ai pas demandé le ballon, mais ça me va. Bon, dès qu'on touche un ballon, on est bien. Donc. Oh, Wesley, dommage. Duel pour la récupération du ballon. Ouais, la bonne récupération, très haut. Penalty. Ce ballon qui est dégagé. Il n'y avait pas un petit quelque chose sur Wesley Saïd là? Un renvoi au 5m50. Ok. Le joueur est parti, bah oui, ça on le sait. Assigné à Manchester United en provenance de la Juventus. Pressing, pressing, pressing. Allez, Giovanni. Bouge-toi les fesses, Giovanni. On est sphère assez folle. Cosiello. On doit être les premiers défenseurs, nous les attaquants. Allez. Ouais, bonne transmission.
Peut-être une bonne opportunité, attention. Ah, bien défendu, le ballon qui est sorti en touche. Le ballon qui va arriver dans la surface. Oulala. Il perd le ballon avec ce centre. Allez, on se dégage. Qui n'a trouvé personne. C'est propre, c'est super. Giovanicio, c'est magnifique. Benjamin André. Il n'a pas pu passer le ballon. Allez, le pressing, magnifique. Allez, le pressing. Il va prendre ce ballon. Nelson Fernandez. Oui. Allez, Giovanicio. Oh, superbe, le mec. Premier match en Ligue 1, première passe D de Maeletan pour Giovanicio. 1-0 pour le SRSC à Nice. Superbe. La passe est superbe. Et Giovanicio, un réel buteur sur cette action. Superbe. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. On mène à Nice. C'est propre, ça. C'est propre, ça, les mecs. Allez. Voilà, le score qui est donc on est bien de façon, on a bien vu hein, depuis les 25 premières minutes de jeu. On domine, on faisait le pressing. Faut continuer comme ça. Ouais, ça dessus, les mecs, dessus. Faut monter dessus, faut monter dessus. Faut pas les laisser jouer. Faut pas les laisser jouer, faut faire montrer que c'est nous les patrons. Allez, superbe. C'est contré hein, par le défenseur, dommage. Waouh. On sort ça propre, c'est propre. Il perd le ballon. Super Giovanni, tu te bats, c'est bien ça. Nelson Fernandez. Il récupère le ballon sur ah, dommage. Faut pas que ça. Voilà, faut pas que ça leur crée. Ça leur... Aïe aïe aïe, je ne dis rien. Attention à Pléa, c'est un petit monstre. Un petit prodige aussi. Superbe, allez, on se dégage maintenant. Allez les mecs. Oh, j'ai pas pu donner mon ballon. C'est pas grave, c'est pas perdu. Pas de blessure, pas de blessure. Allez, faut monter un peu là, les milieux, faut monter un peu là. Il s'avance vers la surface. Pas nous de descendre trop non plus, on peut pas trop descendre, se permettre, sinon on va, on va cramer notre joueur et là. Ouais, bien joué, l'interception, la passe était bonne, important. Ouais, touche pour le GC Nice. Ouais, la touche pour Nice. Ricardo Pereira. Allez, monte, 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 ouais, monte. Allez, Wesley, monte. Va gêner le joueur. Il laisse jouer, ça. Ça me plaît pas. La barre, les mecs, ça me plaît pas, je vous dis depuis tout à l'heure. Touche dans le camp adverse. Ah, descendre, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas être partout, mais bon. Ah non, ballon perdu. Benjamin. Cosiello. Cyprien. Ricardo Pereira. Ils se trouvent, hein. Ils se trouvent en posant leur jeu. Ça, ah oui, ça serait bête d'en prendre un juste avant la mi-temps. Faut tenir. Faut monter dessus. Faut monter dessus. Arrête Costil. Super. Alassane Pléa, c'était chaud. Bouillant. Recorner. Allez, précis dans ses transmissions. Oui, oui. Allez, juste avant la mi-temps, allez. Allez, on arrive, on a plus beaucoup de jus. Oh, j'ai pas pu centrer. Il y a corner là, monsieur l'arbitre. Putain, 1-0. J'espère qu'on n'est pas blessé. Ah oui, c'est le match, à mon avis, c'est le match de 14h, ça. Et Marseille, le match de 17h. Allez, peut-être le match de 17h, je sais pas. Tu as fait preuve d'un grand sang-froid dans la construction du but. Très belle vista sur les passes en profondeur. On ne cherche pas systématiquement à tacler. Oh. Reste au contact de ton adversaire et attends une ouverture pour lui rendre le ballon. Prendre le ballon. Ta passe en profondeur était vraiment millimétrée. Super passe décisive. Allez, on n'a pas fini. Nous. Ils font déjà les premiers changements, série à la place des Cyril. Allez, mec. Oui, Ethan, c'est bien ça, allez.
Oh, dommage. Il va être encore un peu juste. Hein. On est jeune, hein, donc on progresse. Hein. On n'a qu'un général de 72. Hein. Donc voilà, on est un peu juste pour tout. Récupération du ballon et tout, mais on va être là. On va mettre des tampons s'il faut. Ouh, charge. Non. Non. Si, si, si. Un poil, mais j'étais hors jeu quand même. Petite pensée aussi pour Loulou Nicolas qui nous a quitté là cette semaine. Semaine dernière quand vous verrez cet épisode, mais c'est cette semaine pour moi. Un super président. Oh, super la passe, André. Oh non, Benjamin André, t'as pas le droit de nous rater ça, garçon. Oh, dommage. Non, j'ai voulu essayer de dribbler un petit peu pour qu'on a du skill, mais super Bétane. Il opte pour le centre. Le centre contré. C'est contré. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne. Oh, c'est pas vrai. Il y a un pied gauche qui passe pas. Hein. Allez, on se bat, on se bat, on se bat. On continue, on se bat. Trop tard. Normalement, on est lié gauche. Qu'est-ce qu'on fait, lié droit hein. Franchement. Ouais, c'est à notre place. Chantôme. Chantôme qui est rentré à la place de Benjamin André. Ça n'a pas dû plaire à Christian Gourcuff son occasion ratée là. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Ricardo Pereira. Allez, 60e bientôt, on est toujours devant au score. En attendant l'ouverture et c'est un beau match plaisant, on domine notre sujet. Et on domine notre sujet, mais on se légalise par Cyprien. Personne ne va dessus, les mecs. Ça va être le problème de notre équipe, parce qu'on avait vu pendant la Coupe internationale là, de pré-saison. Notre défense passait à travers de tout. Et là, Romain Danzé est à la pêche. Voilà. Et ça fait un partout. C'est bien dommage. Beau coaching par contre. Hein. C'est Cyprien qui rentre à la place des séries. Il marque. Allez, Tan. Il parvient à stopper cette offensive. Cosiello. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Il aura fini son échauffement, il est prêt. Il va pouvoir frapper peut-être. Il s'avance vers la surface. Allez, super récupération de Mafitano. Il a sûrement évité une grosse occasion de but. Allez, on va monter avec lui. Mais il est tout seul. Ouais. Bon, ben, il s'est fait reprendre le ballon. Cyprien. Nous suivrons donc une nouvelle journée de Ligue 1 avec cette rencontre. Nous verrons l'OGC Nice affronter Angers à l'extérieur. Un véritable choc à venir qui devrait tenir toutes ses promesses. Personne dessus? Personne ne monte dessus? On va attendre quoi? Qu'on prenne un deuxième but? Regardez ça. C'est là-dedans, c'est pareil les mecs. Je suis désolé, c'est là-dedans, c'est pareil. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Allez, on monte l'exemple ou voir. Bah oui, mais bon. Allez, super, et Giovanni part. Oh, Giovannicio. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain. Se plante pas avec ses panneaux. Allez, Tan. Attention, ça peut être dangereux. Superbe ça, allez les mecs. Oui, le centre. Attention, allez. Oh, c'est magnifique! C'est magnifique! Cette remise pour Giovannicio est sublimissime, les mecs! Ah, j'espère que ça vous plaît! J'espère que ça vous plaît, c'est énorme! Ok, on n'est pas buteur, mais alors là, la petite balle pour Giovannicio, elle est monstrueuse! Caméra aussi est monstrueuse, j'avais pas vu celle-là cette année encore. Oh, comment lui l'armer bien? Bim de la poitrine, reprise du gauche de Sio, et va le doubler pour Sio. Et normalement, deux passes des pour nous. Va falloir donner plus. Bon, bah écoutez, on a déjà peut-être le meilleur buteur lors de cette première journée de championnat qui est René, et peut-être le meilleur passeur aussi, avec deux buts et deux passes chacun. Ça pourrait être sympa, on ira voir les stats tout à l'heure. On revoit cette intervention défensive irrégulière. Et le plus important, c'est qu'on est devant, les mecs. On est devant, au score. Loin d'être ridicule, d'ailleurs, Christian Gourcuff ne sort pas. Hein.
Si vous avez remarqué, on est quasiment cuit, mais on n'est pas sorti du terrain. On a une note de 7-7. Je suis pas sûr qu'elle a été comptée comme passe décisif la deuxième. J'espère. Allez. Allez, Dan. Oh non, j'avais envoyé sur la Ça gauche à part bien, Wesley, mais. action dangereuse. Penalty. Et le ballon Oh, qui on a eu file chaud, sans on a eu appui. chaud. Avec un changement à l'instant, l'entraîneur qui manifestement veut préserver ce résultat. Et dans ce qui sort, comme quoi. Ah, écoutez ça, Pierre, le score qui n'est pas favorable, mais le public qui croit encore, c'est Chou, normal. on a failli récupérer. Manque un peu de physique pour la récup de la balle. Dommage. Jean-Michel Seri, l'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant, il est prêt à rentrer au prochain arrêt Super. de jeu. Giovanicio. Superbe. Allez, Tan. Allez, attention, il se Allez, rapproche Tan, du tu nous la gardien régales, centre. celle-là. Allez, avec le choisi la frontière. Ballon bien négocié par le gardien. L'action Dommage, est les mecs. appréciée. Oh la vache, la première frappe d'Ethan. Arrêt du gardien. De mêler Ethan. Dommage. On a tenté, hein. On a tenté, on a failli, hein. Ça a failli payer. Ça aurait été chouette. Oh, Armand qui rentre à la place de Mendes. Il lui donne ce ballon Sympa. de la tête. Bon Dégage-moi sang en ça. train, mais la Tranquille. défense qui se montre Au calme. vigilante. 3 minutes de temps additionnel au minimum. Ludovic Ball. Il est là pour C'est récupérer mal ce redonné ballon. ça. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pas personne. Super. Yes les mecs, premier match, La première fin du victoire. match à l'instant, Super. victoire du Stade Rennais. On peut être content. On Ouais, peut la être content, on saison peut être qui satisfait, on débute a un fait peu le job. mieux pour ces joueurs. Ouais, Et Hervé, Benoît premier Costil match, aussi. première victoire, et ça c'est très important. Ça donne tout de Une suite première une bonne dynamique pour première la suite. victoire à Nice. Quand c'est le parcours qu'ils ont fait Nice cette saison, c'est énorme. Quand On même, a tout de c'est suite énorme. senti qu'ils pouvaient réaliser un grand match, et ça Giovanicio, a été le cas, deux tirs de vraiment, il est but. pour beaucoup dans cette victoire. Et Maeleta, Un très bon normalement, match pour lui, deux avec un passes. doublé en Deux passes. plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand On va aller voir s'ils ont compté la deuxième passe ici. décisive. Non, passe décisive, une seule. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. 13 200 mètres de parcouru dans un match, les mecs. Regardez en endurance, on prend plus 1, plus 1, plus 1. Ça fait 13 km de couru, c'est énorme. Par contre, je suis dégoûté, quoi. La passe D, là, on aurait dû en avoir deux normalement. On nous en enlève une. Je sais pas pourquoi. Bref, bref, bref. On continue. Allez, on continue tranquillement. Prochain déplacement, ça sera Nancy, le 20 août. Et c'est le début du mercato. Alors j'espère qu'ils vont pas nous mettre sur la liste. Je t'ai retenu dans l'effectif. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on arrive bientôt aux 30 minutes de la vidéo. Donc un épisode, c'est 30 minutes. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là, les mecs. Et on va se retrouver pour la deuxième journée de championnat lors de la prochaine vidéo. Ok? Ok, allez, c'était la frappe style du 35, portez-vous bien. On continue cette aventure avec Maël et Tan et c'est plutôt bien parti les potes. Ké 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 na vo bla bla bla.